Bien le bonjour Hervé. Salut. Comment allez-vous ? Impeccable. Soyez le bienvenu, merci d'être là pour tout nous dire sur ce que vous allez préparer, puis revenir aussi un peu sur cette carrière impressionnante que vous avez derrière vous. Je disais, c'est un rendez-vous en toute intimité. Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour ce rendez-vous du chapiteau ? Écoutez, je vais vous proposer ce que je... en tout cas, pas ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire ? Bon, naturellement, pour rassurer les gens, je vais chanter qu'après c'est fini. Qu'on se rassure. Non, je vais avoir 72 ans, d'ailleurs je crois que je les ai, et je pense qu'à 60, passé 70, il y a un moment, le corps, je ne sais pas l'expression, on ne chante pas qu'après c'est fini à 70 ans, comme on le chante à 20 ans. Ouais. Pas. Donc quand j'étais jeune, j'aimais Juliette Gréco, Mouloudji, enfin peut-être ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, mais enfin, j'aimais les textes, j'aimais la poésie de Jean Genet, je l'aime toujours, donc je me suis dit, maintenant j'ai fait un tour de France et du monde en laissant quelques chansons derrière moi comme Méditerranée, Reviens et nous. Et là, j'entreprends ce qui était un rêve d'adolescent. Donc, c'est-à-dire que je chante des poètes français tels que Jean Genet, Prévert, Aragon et tant d'autres, Maurice Fanon et tout ça. Donc à la fois vos chansons que vous allez revisiter, j'imagine, un peu quand même. Oui. Ouais. Oui, mais elles sont toutes revisitées. Donc, c'est juste ce qu'on appelle un piano-voix. Ouais. Aujourd'hui, c'est un piano, de préférence accordé et juste et bien, avec un pianiste qui est d'ici, qui s'appelle Max Menet, qui est un type avec qui j'ai fait la tournée des musiciens d'ici aussi, toute l'année dernière. Et là, nous entreprenons. Donc, les deux premiers soirs sont à Lille. Alors, on va se replonger un peu dans certaines de vos chansons. Ce ne sera pas la configuration, vous l'avez bien compris, mais on va vous revoir avec une chanson qu'on a tous sur le bout des lèvres. Nous. Pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide temps? Je pense à nous, c'était comme un défi. Autant le printemps avant, le printemps, un chemin qui va n'importe où, et se met de roses partout. Alors, vous l'avez bien compris, les amis, ce que vous voyez là, ce n'est pas tout à fait ce que vous allez voir le 5 et le 6. On sera plus dans une ambiance intimiste. Et vous l'avez dit, Hervé, vous allez récupérer ces grands textes. Comment vous les avez choisis, justement, ces textes que vous allez chanter ? Je les ai choisis avec minutie. Ce sont des chansons qui étaient enfouies dans les tiroirs de la chanson qu'on n'a pas chantée depuis, je ne sais pas moi, 30, 40 ans. L'écharpe de Maurice Fanon, blues de Ferré Aragon, des chansons de Gainsbourg et d'autres. Mais j'ai pris des chansons qui ne sont pas des tubes. Hein. Ce sont des chansons qui prennent toute leur valeur à partir du moment où elles sont interprétées, où on se les approprie, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, ce sont les mots, naturellement. Naturellement. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'une et pas l'autre? D'abord parce qu'il faut d'abord être capable de s'adapter et aussi de s'approprier ces textes. Donc moi, je ne peux pas... Il y a des chansons que je ne pourrais pas m'approprier. Ça ne me viendrait pas l'idée de chanter Amsterdam de Brel. Je pense qu'il a suffisamment bien fait. Mm-hmm. Et donc on ne peut pas surpasser, on ne peut pas aller plus haut que ça. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous allez prendre votre plaisir. Vous n'avez pas pu le faire avant, ça, justement, choisir autre chose que ce répertoire. Non, c'est-à-dire que, vous savez, moi, quand j'ai écrit, j'avais 17 ans. Et quand j'ai écrit cette chanson, je me prenais pour un poète. Je me disais, voilà. Et puis cette chanson a envahi le monde, m'a porté comme un... Ça a été mon passeport, ça a été partout, ça m'a porté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le chemin et j'ai pris le train de saluer les copains, ce qu'on appelait des yéyés. Mm-hmm. Parce que quelquefois, il suffisait d'être jeune et d'avoir du succès pour être un yéyé. Moi, j'étais pas du tout ça. J'étais pas du tout un garçon comme ça. J'aimais les chanteurs qui n'étaient pas de mon âge. J'aimais Yves Montand, j'aimais ces gens-là à l'époque. Mais que voulez-vous, le destin a voulu de faire de moi une espèce qu'on appelait une idole à l'époque, entre le rock and roll. Nous étions plusieurs comme ça. Il y avait Adamo, il y avait Christophe. Mm-hmm. Nous avions des chansons romantiques qui ne correspondaient pas du tout à l'époque où on faisait des wabdou wab, des ouh ouh ouh. C'est-à-dire des chansons que chantait Claude François ou d'autres.
Et donc moi j'ai pris le train, je me suis laissé glisser comme ça. Donc nous avons, on a utilisé naturellement cette jeunesse pour me faire placer dans, faire, on va dire, plaire aux jeunes filles qui sont restées des jeunes filles aujourd'hui, vous comprenez ce que je veux dire, et à qui je vais essayer d'aller chanter Aragon. Voilà. Ça veut dire qu'il faut aller les chercher pour le coup, il faut leur proposer autre chose. Ah oui, 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 il faut proposer autre chose, parce que sinon, bah, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, toutes ces grandes émissions et de nostalgie qui vous rebâchent. Vous êtes quelqu'un de nostalgique ou pas? Pas du tout, je déteste ça. C'est vrai? Non. Pourquoi? Le passé ne m'intéresse pas. Vous n'aimez pas revenir en arrière? Non, je n'aimais pas du tout l'époque de ma jeunesse. Non? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans cette époque? Bah, déjà, quand je chantais, les sonos marchaient mal. Enfin, je veux dire, c'était... aujourd'hui, vous claquez sur un bouton. Aujourd'hui, on n'avait pas besoin de tendre l'oreille dans le retour pour voir si ça marchait. Vous voyez, ouais. Aujourd'hui, on travaille dans d'excellentes qualités. Bon, je parle de ça, mais je veux dire, même dans la vie, n'était pas... Tout était gris, tout était noir. On vous parle des années 60 comme si c'était une époque magnifique. Sauf que la jeunesse avait les moyens de trouver du travail. Ça, c'est une autre chose. Mais en ce qui concerne la chanson française et la chanson des Yéyés, c'était une... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux? Ah oui. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez pas encore fait? Peut-être un peu de théâtre, peut-être un peu de choses comme ça. Je suis en train d'écrire le troisième tome de mes mémoires que j'ai publié il y a déjà quelques temps. Non, je me balade dans la vie assez, on va dire, assez allègrement et assez joliment. J'ai construit ma maison. J'ai quelques amis riches, enrichissants, qui ne sont pas du tout des chanteurs, à part Nicole, Letta, qui est ma grande sœur. Nous ne nous sommes jamais quittés. Mais non, je vis dans un quartier de Paris absolument resté très parisien. Je veux dire, quand je dis parisien, c'est-à-dire dans le joli terme, vous voyez, dans le joli sens. Et puis, je vais parfois au bout du monde chanter quelques chansons. D'ailleurs, je vais aller au bout du monde chanter ces chansons-là. Eh ben vous allez les chanter à l'autre bout du monde et surtout chez nous. Le 6 avril prochain, ça se passe au Chapiteau à Lille. Et vous l'avez dit, vous allez avoir un pianiste de notre région avec vous. Max, oui. Max, qu'on salue, qui est déjà venu d'ailleurs ici. Oui, mais... Et que vous adorez. C'est un musicien de goût. Ouais. Il y a beaucoup de recul sur tout ce métier, qui fait ça très proprement, avec beaucoup de talent. C'est toujours... On dit toujours ça de gens. Mais lui, c'est quelqu'un d'élégant et qui a du goût quand Merci il joue. Merci beaucoup, Hervé Villard. 5 et 6 avril, Chapiteau à LM pour aller voir Hervé dans ses chansons connues et les autres. Salut. À bientôt. Au revoir.